Hello les icônes, aujourd'hui on est samedi, donc un jour avant le grand départ. Et j'aime trop le make-up que j'ai fait. J'ai fait un peu pêche, rosé comme ça. Et sur mes lèvres c'est le... celui-ci, en teinte Tranquility. Bref, maintenant je vais aller faire les courses pour manger. Pour voir ce que je vais manger à Londres. Et puis je vais essayer d'aller chercher ma poudre Laura Mercier, mais je sais pas si j'aurai le temps. Et après j'ai terminé mes valises parce que peut-être que la grande valise est faite. Il manque tout ce qui est beauté, tout ce qui est soins. Et tout ce qui est électronique, vu que je suis occupée à les utiliser, puis je dois faire mon sac à main. Donc voilà. Aujourd'hui, mon outfit, j'ai voulu faire classe, je sais pas pourquoi. Donc j'ai mis un impair, une chemise de chez je sais plus qui, un pantalon de chez Pull&Bear et des bottes de chez Mango. Là, je vais chercher ma poudre de Laura Mercier. Ouais. C'est là en fait. En fait, c'est en face de la bourse. Ouais. Toutes les palettes Soeva. Attends, je vais voir s'il y a. Comment ça s'appelle encore? C'est ça. Oh, c'est trop beau. Bonjour. Oh, il est trop beau, 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 il est trop beau. Donc, on met du masque dessus, tu mets ça sur ta tête et regarde. C'est trop choquant. C'est cher, hein, Dr. Brand, non? 79. Ouais, tu vois. Un masque. Ouais, c'est vrai. C'est magnifique. Tu vois, c'est un truc de fou. Et il laisse un redessus dessus. Ah, c'est pas un truc bizarre. T'as vu, c'est magnétique. C'est trop drôle. Comme ça. Après, tu as le crâne. Ouais. Et après, on va se donner là. Alors. Moi j'ai acheté ces palettes ici donc chez Cosmo Paris. Mais ils ont sorti des nouvelles et je les trouve trop belles. Celle-là par exemple. Une goutte ou deux. Oh, trop beau. J'aime trop la couleur. Et les Glam Glow. Ils ont tous les Glam Glow. Donc si vous aimez les produits américains, venez chez Cosmo Paris. Madame, moi je pourrais juste tester l'highlighter de chez Laura Mercier. Merci. Oh, c'est un pinceau cheeky ça. Et ça c'est un pinceau cheeky. Là, c'est 40 et quelque chose. Des vrais poils. Ça se voit, hein. Ouais. Je vais essayer de... Je vais me mettre là. J'ai essayé le Laura Mercier. Mais j'ai acheté un pinceau en vrai poil chez Sissé. Oui, c'est le vacances aussi. Vous voyez, c'est glow. C'est un truc de fou. Que j'ai testé là, le démaquillant en huile de chez Dermatologica. Il est trop bien. Ça, c'est un truc de fou. C'est lequel? C'est celui-là? Oui, c'est celui-là, le pré-cleanser. Je suis rentrée à la maison, j'ai attaché mes cheveux parce qu'en fait j'ai mangé. Sympa. J'ai dit, je viens de rentrer à la maison. J'ai mangé des spaghettis bolo vegan. Et j'ai attaché mes cheveux, tu vois, pour pas que ça trempe dans la sauce. Est-ce que vous pouvez admirer mon highlight? Il est popping like fuck. Non, vous voyez? Bon, mon rouge à lèvres, on n'en parle pas, s'il vous plaît. Je vais l'acheter à Londres demain, d'office. Là, je l'ai pas acheté parce que. Tu vois, il y a plus d'argent sur la carte. Mais j'ai acheté, enfin j'ai échangé les pounds quoi. Donc j'irai l'acheter. S'il vous plaît, regardez-moi ça. J'aime trop. Il est quelle heure là? Il est 13h59. Il y a mon petit chat là. Je dois terminer ma valise comme je vous l'ai dit. Et puis je dois faire quoi? Bah je dois m'organiser. Puis je vais me reposer. Et demain matin... Let's go! J'ai posté des nouveaux trucs sur Instagram, je sais pas si vous avez vu.
C'était ma tenue. Ça, c'est une de mes tenues que j'ai portée à Londres. Si tu veux, focus. Voilà. Mon Instagram, c'est bcicoinc. Et voilà. Comme vous avez vu, j'étais chez Cosmitari. Et vraiment, ils sont super sympas là-bas. Pourquoi je suis zoomée comme ça? Ils sont super sympas là-bas. Et je vous conseille d'acheter vos produits. Enfin, que vous ne trouvez pas en fait. Les produits que vous ne trouvez pas en Belgique, eh ben, ils sont là. Bébé Curl, By Terry, Laura Mercier, Bobby Brown, il y a déjà des magasins. Il y a quoi d'autre? Zoeva, enfin, la totale quoi. Et en fait, je vais essayer de trouver à Londres un maximum de produits anglais, genre Zoeva. Je crois qu'elle est anglaise. Comme ça, ça coûte moins cher, tu vois. Je vais regarder Les Anges maintenant, parce que je commence à suivre Les Anges. Je trouve ça cool à regarder. Et puis, comme je l'ai dit, je vais faire ma valise. Soxo, attento les icônes. Je vais faire mon sac. Mon amour. Mon amour de maman. Toi, t'es le bébé de maman, toi. Coucou. Je vais aller vider l'eau de ma cafetière pour me faire un café. Puis je vais me boucler les cheveux. Enfin, onduler mes cheveux et terminer ma valise. Comme ça, demain, je suis tranquille. Et je dois me lever à 5h30. Et je dois partir à 6h30. Comme ça, je suis à l'aéroport. À l'aéroport, ça va. Je suis à Gare du Nord à 7h. Et à 7h30, on va partir. Et ils demandent qu'on soit 15 minutes avant. Donc, j'aurai 15 minutes pour un Starbucks. Je suis occupée à faire mon bagage à main. J'ai fait mon petit thé avec. C'est un thé Dolce Gusto, thé menthe. Les courses pour manger, enfin plein d'autres choses là-bas quoi. Et je sais pas si je vais prendre mon sac. Non, j'ai pas besoin. Je vais mettre des chaussures en fait parce que là je suis en pantoufles. Ce serait peut-être mieux, tu vois. Chaussures faciles à enfiler. C'est mes préférées, c'est les Adidas Superstar, Karim Campbell. Anyway, je l'ai essayé. Elle est trop bien, c'est un truc de fou. Et on va partir de faire mes ongles aussi. Let's go. J'ai acheté que des crasses pour le voyage, parce que c'est bien un voyage sans crasse, c'est pas un voyage. Des mon Mao Mix, parce que les Maomi, non, les Maoma, les, non, les, ça va bien aujourd'hui. Les Maom, les Maoam. Attendez. Les Maoam, c'est ma vie. En fait, ça ressemble au Maoma. Ça ressemble au truc que je vous ai montré là. Ça, je vais vous faire maintenant. Dégustation. Ça, c'est le truc de quand j'étais petite, c'est bien. C'est vraiment mon enfance. On va goûter. Ouais. C'est vraiment trop bon. Mais tout s'écrase dans mon sac de voyage. Finalement, j'ai réussi à mettre une partie de mes soins et une partie de mon make-up là-dedans. Et mon make-up du jour, je vais mettre là-dedans et après je vais mettre dans mon sac de voyage. Petit blender, donc j'ai une de chez Kiko et une de chez Primark. Voilà, je dois aussi les utiliser demain, donc chaud chaud. C'est là pour main. Ensuite, comme rouge à lèvres, qu'est-ce que je vais prendre avec? Ça, c'est toujours la grande question.
Voilà, c'est fait. J'ai fait quelque chose de vraiment naturel, vous voyez. C'est pas en mode berne. Moi, j'aime bien ça. Maintenant, je prends mon Studio Pro. Un tout petit peu, pas trop. Comme ça. J'aime vraiment venir définir les petites ondulations que j'ai faites. Voilà. Comme ça, vous voyez, un peu plus de définition. Ouh, volume. Ok. Je crois que c'est un bon produit si vous voulez du volume, hein, clairement. Pas mal. Pendant que je fais mes ongles, je vais regarder des vidéos YouTube. Cette couleur, j'espère que vous la verrez mieux maintenant. Je vais pas le mettre là-bas, tu vois. Je vais quand même vous expliquer ce qui va m'arriver. Je t'occupe à manger de la salade. Tu vois, normal et tout, tranquille. Et puis donc je prends la salade, donc c'est vraiment, tu vois, les feuilles de salade là, je prends. Et il y a du vinaigre balsamique qui vient dans mon œil, il se fait touc touc. Oh, comment j'ai eu mal aux yeux, un truc de fou, mais vraiment un truc de fou. Super, déjà ça, donc j'étais comme ça. J'avais plus vivre. VDM, vraiment VDM. À la fin de ce vlog les icônes, j'espère que vous avez pu voir un peu ce que j'ai fait aujourd'hui, c'était cool. J'ai fini enfin ma valise, donc c'est pas trop tôt. Et voilà, on se retrouve demain pour l'arrivée et le trajet à Londres. Que ce soit les icônes.